Janvier dernier, Magali Berda se présente à moi, elle m'appelle. Salut Coco, t'es une super influenceuse. T'as compris, genre, ice cream so good. Et là, elle me dit, voilà Coco, tu gagnes combien par mois grâce à tes placements de produits? Je lui dis, je gagne entre tant et tant par mois. Elle me rajoute un bon billet au salaire. Tu vois, elle est forte. Hein? Elle te met des étoiles dans les yeux. Stars. Stars in my eyes. Oh. Et elle me dit, là, c'est fixe en plus, tu vois. C'est vraiment carré, contrat de travail et tout. Je dis, franchement, propre. Je m'imaginais déjà arriver et dire, papa, regarde, j'ai signé un contrat, je vais gagner tant par mois. Oui, parce qu'elle te vend le salaire en te disant, tu ne gagneras jamais moins. C'est un fixe. Tu peux gagner plus s'il y a encore plus de collabs, mais tu ne pourras pas gagner moins, quoi qu'il en soit. Je te verse tant par mois. Ok, let's go. J'ai jamais vu le salaire. Le premier mois se passe et donc j'attends ma paye. Je vois, je la reçois pas. Je dis, du coup, faut que je te fasse la facture. Elle me dit, ouais, ce mois-ci, je te dois tant. Normalement, avec sa première paye, j'aurais pu être propriétaire. M'a donné même pas le quart du quart. Et encore, elle m'a donné 6 mois après. Et là, je relis dans le contrat de travail qu'elle a le droit de me payer au bout de 40 jours. Donc, j'attends. Mais je savais pas que j'allais attendre autant. J'attends, j'attends, je fais un deuxième mois de travail chez elle. Et je vois, j'ai toujours pas de paye, donc je dis stop. Je dis écoute, Mac, moi j'ai pas envie de t'endetter. Donne-moi mes 2 mois que tu me dois là. Déjà, tu m'as réduit les payes par 10. Et après, on continuera. Elle me dit ok, c'est bon. Je dis après, moi tranquille, y a rien, juste paye-moi et on continue. Ça va faire un an là.